Καλησπέρα και χαρακτήρια για την Νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε τον Πανιόνιο να είναι κυριαρχός, να πετυχαίνει γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως είδαμε τον Άρη καλύτερο. Θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που μπόρεσε και το κράτησε, ήταν θέμα ότι το άξιζε. Quand on gagne, c'est toujours équitable. Quand on gagne, c'est pas dans une canne. Il faut expliquer que d'abord, Harry, c'est une très bonne équipe. Qu'elle avait perdu ce match 12 points par hasard. Okay. Et que notre équipe, malgré qu'on ait fait quelques changements contre mon groupe, contre Larissa, c'était le troisième match pour des joueurs en 6 jours. C'est une charge physique très importante. Ακούμε ότι ο Άρης είναι πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα και αν έχει το 10 πόντου δεν είναι από σύμπτωση. Δηλαδή σήμερα ήταν ένα παιχνίδι με μια πολύ δυνατή ομάδα. Εμείς είχαμε 3 αγωνές και ήταν πραγματικά κουραστικό, πολύ κουραστικό, κουραστική εβδομάδα για όλους τους παίκτες. Και λοιπόν ακούμε ότι τα πράγματα είναι καλά. Il faut savoir, la question, il faut savoir gagner dans la douleur. C'est des victoires qui sont très constructives pour l'état d'esprit, pour la force du groupe et la capacité, à, sans être très bon, très brillant, de gagner des matchs et de maintenir surtout un résultat. Et du coup, on fait des trucs qui disent même ton podo, il n'est pas plus difficile que ni dit. Alors, on pose hypothèse, il y a un effetico αποτέλεσμα που δείχνει ότι μια ομάδα που έχει μερικά προβλήματα ή που φτιάχνεται σιγά σιγά μπορεί να έχει κάτι πολύ θετικό. Έτσι φτιάχνουμε μια ομάδα και στις δύσκολες στιγμές. Ο Παντελής. Αφού ήταν μια κουραστική εβδομάδα και κρατήσαμε επιβαρημένη και δεδομένου ότι ο Άρης άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο τη διάταξή του και έκανε και αλλαγές νωρίς ποδοσφαιριστών, εσείς ως προπονητικό τίμημα, γιατί καθυστερήσατε πρώτη αλλαγή στο 75, μετά στο 83, στο 87, αλλάξατε και πολύ αργά το σύστημα. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι νωρίτερα. Alors, c'était une semaine fatigante, bien sûr, pour les joueurs. Donc, on a vu que Harris, assez tôt, a quand même pris le contrôle du match. Pourquoi vous n'avez pas changé de système de jeu plus tôt? Parce que on a changé de système quand les vagues d'Harris commençaient à devenir trop menaçantes. Après, il y a toujours des. Dans tous les systèmes, il faut savoir qu'il y a toujours des avantages, des inconvénients. Et qu'effectivement, Harris a mis tous ses atouts sur le terrain, sur le plan stratégique. Ils sont passés à 3 défenseurs, ils ont mis des joueurs de couloir très haut. Et effectivement, ils ont mis des joueurs très axiaux. Donc ça a mis nos 4 défenseurs très très axiaux et ça a libéré beaucoup d'espace sur les côtés. Donc quand les vagues sont devenues trop importantes, on a effectivement considéré qu'il fallait qu'on passe à 5 et à partir de là, je pense qu'on a été beaucoup moins en danger. Όταν το κίνδυνο έγινε λίγο πιο δυνατό, φυσικά ο Πανιόνιος άλλαξε σύστημα παιχνιδιού. Να μην ξεχάσουμε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που είχε αποφασίσει να παίξει με 3 αμυντικούς και να έχει τα δεξιά και αριστερά μπακ να ανεβούν πιο δυνατά. Εμείς μάλλον τους δώσαμε λίγο χρόνο, αλλά πάντως άλλαξαμε λίγο αργά, άλλαξαμε το σύστημα που κρατάμε. Αυτά. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ναι. Πώς του φάνηκε ο Άρης στο σημερινό μάτς και γενικότερα τι γνώμη έχει για τη μέχρι στιγμής πορεία του Άρη. Quelle est votre impression sur l'adversaire aujourd'hui, comment vous assemblez les guitares? C'est une bonne équipe avec des bonnes individualités comme notamment Matteo le numéro 1, qui pour moi un joueur très très performant, qui est pour l'instant un des meilleurs joueurs que j'ai vu. Une équipe compacte, une équipe avec un état d'esprit, une équipe qui monte de seconde division et qui a engrangé beaucoup de points, donc qui est en pleine confiance. Donc ça va être, je pense, une équipe des troubles faits pour ce championnat. C'est vrai, difficilement, il y a une équipe qui est en Mada, mais ça fait une Mada, il y a une Mada qui est au Matheos, une équipe qui est en Spectis, il y a une Mada qui est mazé ψηπόντους, και φαίνεται ότι μπορεί να παίξει ένα πιο δυνατό ρόλο, πιο σημαντικό ρόλο σε αυτό το πρωτάθλημα και να ενοχλήσει τις άλλες ομάδες που είναι μπροστά. Ο Θοδωρής, μετά ο
πω στην αλήθεια ότι ο τρόπος που έδωσε στο πρώτο ημίχρονο βοήθησε την ομάδα, το σύστημα της ομάδας να έρθει νίκη. Και το δεύτερο σχέδιο είναι αν έχει βγει το κατάλληλο σχήμα για τη συνέχεια. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι το ίδιο σχήμα στα τελευταία μάτσα. Le jeu d'Aris, est-ce que le système de jeu d'Aris a pu, on va dire, aider Panionios durant la première mi-temps? Et est-ce que vous, personnellement, avec donc votre monsieur Anigo, vous pensez progressivement tirer une équipe type pour le jeu de Panionios, une équipe standard, une équipe qui avance? Je pense que. Entre les deux matchs de championnat, que ce soit le match d'Apollon ou ce soir, l'équipe qui a démarré, c'est la même équipe qui a joué à Apollon. Exactement la même, identique. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir une certaine stabilité et une certaine assise. Okay, même si à l'intérieur de ça, il y a toujours de la concurrence et il faut qu'il y en ait. Après, bien évidemment, ce match de coupe, il nous a donné l'obligation de maintenir certains organismes au repos. Je pense qu'on a bien fait d'ailleurs. Mais. Aujourd'hui, on est des entraîneurs qui ne sont pas fixés dans un système. La preuve, c'est que ce soir, on a démontré qu'on était capable de s'adapter et de faire bien le match avec ses défenseurs. La priorité pour nous, c'est surtout que les gens qui défendent le maillot de Panionios aient un état d'esprit conquérant et donnent tout sur le terrain pour cette équipe et ce club qui représente quelque chose d'important en Grèce. Après, à l'intérieur de ça, le système, les organisations, je pense qu'on a quelques compétences là-dedans et que, quoi qu'il en soit, on a joué aujourd'hui contre les trois plus grosses équipes de Grèce, et notamment contre l'Olympiakos et contre le PAOK. On ne peut pas dire que Panionios s'est été battu dans le domaine tactique ou de quoi que ce soit. Donc, effectivement, l'équipe ce soir a été renouvelée exactement la même qu'à Apollon, puisqu'on avait fait un bon match avec une bonne victoire. Ce qui ne veut pas dire que le prochain match ça sera pareil, mais effectivement, aujourd'hui, il y a une ossature qui se dégage. Et bien sûr, pour l'entraîneur, pour le club et pour les joueurs, bien évidemment, trouver cette ossature, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on ne peut pas faire tous les matchs des changements de 5, 6, 7 joueurs. Donc il y a des gens qui se dégagent, mais personne n'est protégé. Λοιπόν, όπως έχει καταλάβει, είναι επιφανόν ότι βγαίνει μια ομάδα, δηλαδή πραγματικά μια ομάδα που είναι περίπου την ίδια ομάδα κάθε φορά. Αφού είχαμε το παιδί στο κύπελο, έπρεπε να κάνουμε και μερικές αλλαγές για τα σώματα να ξεκουράζονται. Πάντως, θεωρεί ο κότσο ότι είναι αρκετά θετικό να υπάρχει ένα μικρό ανταγωνισμό, πολύ θετικό μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, ο καθένας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο και να τραβήξει όσο ψηλά γίνεται τον Πανιωνιό, αυτή την ομάδα που είναι πραγματικά εδώ μια παραδοσή στην Ελλάδα. Αλλά όπως το είπε, από Απόλλων Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα ήταν πρώτα την ίδια ομάδα και απόδειξε ότι μπορούμε να αλλάξουμε και εμείς το σύστημα, αφού στο τέλος παίξαμε φυσικά με μια άμυνα που ήταν πιο δυνατή και κλείσαμε αρκετά το παιχνίδι του Άρη στο τέλος του αγώνα. Καλή αρχής. Είχε πει και ο ίδιος ο κύριος Ανιγκό ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει για τον Πανιόνιο από το παιχνίδι της Ριζούπολης ουσιαστικά. Οπότε η ερώτηση είναι τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα από τον Πανιόνιο και σαν στόχους και γενικότερα σαν εικόνα και συνδυαστική ερώτηση τι θα προσπαθήσει να βελτιώσει τις δύο εβδομάδες του διακοπή του πρωτάθλημα. Alors, comme vous l'avez dit, M. Ανιγκό, vous avez dit que le championnat allait commencer beaucoup plus après Apollon-Smyrnis. Que logiquement, il y a une équipe qui allait se dégager. Il y a deux semaines d'interruption. Quelles sont les conclusions que vous tirez et quels sont les progrès que vous pouvez encore faire durant ces deux semaines? Les progrès, il nous faudra plus de deux semaines pour combler tous les manques qu'on a. soyez bien conscients, messieurs, que la victoire, elle ne nous fait pas devenir amnésique et elle ne nous fait pas croire qu'on est devenu la meilleure équipe de Grèce. Cette équipe elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Je crois que je l'ai dit ensemble, on l'a dit ensemble le dernier match, on a fait le débrief ensemble. Voilà, il faut pas imaginer que la victoire nous bouche la vue et nous fait croire que d'un coup nous sommes la meilleure équipe de Grèce. On est loin de ça, on a d'énormes progrès à faire. Et les progrès, ils ne se résolvent pas en 15 jours. Il faudra encore beaucoup de travail. Mais par contre, travailler dans une dynamique de victoire, travailler avec un état d'esprit, travailler avec une victoire à l'arraché,
notamment grâce à des qualités mentales importantes. Ça fédère les gens, ça valide le discours et le travail du coach et du staff. Et bien évidemment, ça c'est toujours positif. Mais que les gens se rassurent, on est très très conscient qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire. Λοιπόν, φυσικά μια νίκη όπως σήμερα δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στην κορυφή με τίποτα. Έχουμε δύο εβδομάδες πιο πολύ για να κάνουμε ακόμα μια βελτίωση στην οργάνωση της ομάδας, στο σύστημα της ομάδας. Αλλά είναι πιθανόν ότι οι δύο εβδομάδες δεν θα είναι αρκετές ποτέ για να κάνουμε ακόμα κάτι καλύτερο. Τι θέλει να πει ακριβώς, θέλει να πει ότι η δουλειά είναι μπροστά και πραγματικά η νίκη θα βοηθήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Μπορεί στην ίδια στιγμή αυτή τη νίκη να μειώσει λίγο τις παρατήρησεις κακές μερικές φορές που υπάρχουν για τον coach, αλλά τουλάχιστον είναι ότι θα κάνουμε μια δουλειά που θα είναι σε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, καλύτερη ατμόσφαιρα ακόμα, για να δώσουμε σε αυτό που κάνουμε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Αλλά οι δύο εβδομάδες, επιμένει εδώ ο coach, δεν είναι ξαφνικά, αυτές δεν θα είναι οι δύο εβδομάδες όπου θα λύσουμε όλα τα προβλήματα με τίποτα. Λύση. Οι ομάδες που δεν παίζουν καλά περιμένουν τη διακοπή για να λειτουργήσει θετικά προς εκείνες. Οι ομάδες που έχουν ροή καλών αποτελεσμάτων συνήθως δεν το θέλουν. Το φοβάται μήπως τελικά χαλάσει η καλή εικόνα. Logiquement, quand il y a une interruption de 2 semaines, les bonnes équipes ne veulent pas parce qu'elles fonctionnent très très bien et les équipes qui sont plus faibles sont contentes de trouver une sorte de répit. Est-ce que quelle est votre position par rapport à cette idée, à cette question? Déjà, égoïstement pour Pagnos, je pense que cette coupure c'est une bonne nouvelle parce qu'on sort d'une semaine très compliquée et je pense que les joueurs ils sont très très fatigués et quelque part pour nous, on va avoir la capacité à bien les faire récupérer. Ça c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Άρα λοιπόν να πούμε ότι πραγματικά αυτό το stop στο πρωτάθλημα είναι καλά νέα για τον Πανιόνιο, γιατί θα έχουμε ευκαιρία για ξεκούραση. Είναι η πρώτη απάντηση. Και après, bien évidemment, se projeter d'ores et déjà cette semaine, mais sur le niveau de l'intensité, se projeter dès cette semaine sur le match de Panathinaikos, mais aussi avoir la capacité de gérer des organismes qui ont été très sollicités et de pouvoir avoir, à partir de la semaine prochaine, 100% de l'effectif dans un état de fraîcheur qui doit nous permettre, qui doit nous donner envie d'aller faire un grand résultat contre le Panama. Le bon physique inquiétait au Pernidi, mais dans le Panama, il est calme pour avoir un auto-stop sur le tablima. Il y a des physiques, comme je l'ai dit, qui sont en train de se courir. Et puis, il va y avoir une nouvelle qualité de catastrophe psychologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite. Για να ετοιμάζουμε αυτό το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Είναι φυσικά θετικό αυτό. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν.